Yahoo Bidibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui, je vais te présenter mon anime tech. Donc en gros, je vais te montrer ma collection d'animes que j'ai donc au format DVD. J'ai eu l'idée tout simplement parce que il faut savoir que j'ai fait une vidéo interview sur la chaîne de Masga. Et après sa vidéo sur l'interview donc de moi sur sa chaîne, je me suis rendu compte que j'avais quelques vidéos de lui en retard. Et donc j'ai regardé ces fameuses vidéos que j'avais en retard, dont son anime tech. Et je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais jamais posté depuis du coup 2016 où j'ai commencé cette chaîne, je n'avais jamais montré ma collection de DVD, de manga, alors que j'en possède plutôt pas mal. Alors j'en ai pas non plus une quantité extraordinaire, mais j'ai quand même une bonne collection. Et donc du coup je me suis dit que ça pouvait vous plaire ou vous intéresser de voir ma collection parce que j'ai des titres assez récents comme j'ai des titres quand même assez anciens. Donc si la suite t'intéresse, continue. Okay. Voilà donc une prise d'ensemble de ma collection d'animes. Et je vous invite vraiment à liker au moins la vidéo ou la regarder jusqu'au bout par respect parce que j'ai mis 35 minutes minimum. Et j'ai fait 10 allers-retours, je crois, pour transporter tout ça. Parce qu'en fait, c'est dans une pièce où ça aurait été trop compliqué à filmer, dans des cubes. Donc, c'était entassé. Donc, je vais vous montrer tout ça. Comme tu as pu le voir sur la prise d'ensemble, j'en ai mis un tout seul, tout simplement. Parce qu'en fait, pour te dire la vérité, il est à vendre. Mais pour l'instant, comme il n'est pas vendu, bah, il était encore dans mes affaires d'anime. Donc, voici Chrono Crossad. C'est un vieux titre. De toute façon, tu vas voir, il y a beaucoup de vieux titres. On commence donc avec Piano Forest, après tu peux voir tous mes Ghibli, je crois que j'ai que ça. Il y en a quelques-uns que j'ai revendus récemment, donc on a Princesse Mononoke en fond, Voyage de Chihiro, Château dans le ciel, Le Royaume des Chats, Kiki la petite sorcière, en numéro 6 on a Château Ambulant, Posco Rosco, Pompoko, Nausicaa, pardon, à chaque fois je veux dire Nausicaana. On a Les Contes de Terre-Mère, Poyo sur la falaise, Arrietty et Souvenir de Marine. Voilà. Ensuite, j'ai les coffrets DVD de 4 sizes. Voilà. On a Full Metal Panic et Full Metal Panic Fumofu qui sont aussi à vendre. Mais comme je ne les ai pas vendus, bah, je te les ai mis quand même là. On a donc ça que tu dois connaître, c'est Yu Yu Hakusho et School Rumble parce que tout simplement, je les ai achetés cette année. Les coffrets du coup de Death Note. On a la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Oui, j'ai bien les dernières saisons. Honte à moi, je sais. Mais en fait, comme c'était des coffrets collector avec la figurine qu'on peut voir dans ma collection de goodies, je ferai une vidéo qui sort, je pense, la semaine prochaine sur mes goodies que j'ai sur mes étagères manga. Ben, j'ai eu les 3 coffrets. Voilà, on me les avait offerts. Ensuite, j'ai l'intégrale de 4-14 Sakura, saison 1, saison 2, saison 3, les deux films. Angélique Layer qui est de Clamp, X de Clamp. Donc voilà, je t'ai mis tous les Clamp ensemble. Ensuite, j'ai les 3 coffrets de Hikaru no Go, saison 1 avec le garçon aux cheveux verts, saison 2 avec le gars en violet avec son éventail et saison 3 avec le gars aux cheveux verts. J'ai perdu le nom. Ça d'ailleurs par contre, si ça vous intéresse que je refasse l'intégrale et que je vous donne un avis, vous me le dites parce que franchement j'ai envie de me refaire cet anime depuis un petit moment. Après on a Girl, je ne sais jamais le prononcer, c'est horrible. Bref, c'est un anime que j'ai surkiffé, c'est vraiment le genre de truc que j'aime. Et je sais qu'il y a une saison 2 mais j'ai jamais acheté, il faudrait que je fasse. Lady Oscar en rouge, voilà. Coffret collector, je crois. Ouais, j'ai souvent les coffrets collector. R.O.D. J'ai d'ailleurs toutes les figurines qui existent en petit format. Voilà. Après, on a quelques petits DVD par-ci, par-là. Donc, La Forêt de Miyori, le film, du coup, Your Name. Le film humain, Blood, The Last Vampire, qui est beaucoup mieux, je trouve, que le film dessin animé. Enfin, anime, quoi. La Traversée du Temps. Un été avec Ko. Les deux seuls films humains pour l'instant que je t'ai présentés, je crois, ou sinon je crois qu'il y en a un, j'ai dû revendre, c'est Notre Petite Sœur et Père et Fils, que j'ai donc fait un avis. 3 films de Pokémon que j'ai trouvé comme ça, je crois que c'était chez le marchand de journaux. Après les autres, je les ai sur mon ordi.
un truc qui est de casé, mais qui est vieux comme le monde. D'ailleurs, je vais te le montrer parce que ça, c'est un truc assez rare, je pense. Hop, voilà. C'est ça. On me l'avait offert. Pareil, quand j'ai commencé les mangas, les animes. En fait, c'est un DVD promo où ils te mettent l'épisode 1 de plusieurs animes. Je vais me zoomer pour que tu puisses... Voilà, on avait plusieurs animes en... J'ai jamais touché à ce DVD, vu que j'en ai jamais eu besoin. Mais voilà, je l'ai dans ma collection. Donc on voit que j'ai juste rangé pour faire la vidéo, parce que donc ici, il y a le film de Yu Yu Hakusho que j'ai eu avant les deux coffrets qui sont là. Voilà. Ensuite, on a Get Baker. J'avais bien aimé à l'époque, mais bon, ça date il y a une éternité. C'est ça, c'est vraiment... Tout ce qui est vieux titre, c'est vraiment ce que j'ai commencé quand j'étais tout jeune. Hein. Parce que, par exemple, Max et compagnie, j'étais en primaire quand je les ai eus. Et pareil pour Jeanne et Serge. Pareil, avec ça, j'ai vu ça en primaire. Et voilà. Alors après, un truc que je ne peux pas te montrer parce que c'est trop compliqué à montrer, j'ai une espèce de grosse mallette. Ça ressemble à une valise, vraiment une valise, tu sais, comme les valises des mecs, des businessmen. Avec l'intégralité des DVD de Nicky Larson alias City Hunter. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne mon anime tech. Elle n'est pas très grande parce que ben, pendant pas mal d'années, donc presque toutes mes années YouTube, j'ai arrêté d'acheter des animes et d'en regarder. Et donc ça, c'est plus ma collection de primaire et de collège. Enfin, à part les studios Ghibli. Et voilà. Donc je te remonte vite fait en vue d'ensemble. Petit chrono colossal. Oui, parce qu'après, il y a ma collection de sacs à main. Voilà. Si tu veux tout savoir, après, c'est la collection de sacs à main qu'on voit là. Cette vidéo Anime Tech est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner, c'est toujours gratuit, rapide et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos pour me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et pour regarder juste pendant 30 secondes une vidéo sur Utip, ce qui permet de financer la chaîne. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye! N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive.